Les services techniques de Derval mobilisés pour vous illuminer. Chaque année, fin novembre, ils consacrent plusieurs jours pour installer les illuminations de Noël dans le bourg. Des illuminations appréciées et préparées bien plus tôt dans l'année. Alors les illuminations de Noël, ça se décide juste après les fêtes. Au mois de janvier, fin janvier, on fait une réunion de commission qui nous disent un peu leur avis sur les illuminations, comment ça s'est passé, ce qui va pas, ce qu'il faut ajouter. Et après cette commission, on se réunit à 3 ou 4 et nous décidons ce qu'on va faire pour l'année suivante. Donc dès le mois de février, nous sommes prêts, disons, pour l'année suivante. Donc l'installation est faite par les services techniques, qui fait ça la dernière semaine de novembre. Donc ça dure sur une semaine et demie, il faut 3 personnes pour installer toutes les illuminations, ça demande un peu de temps. D'ailleurs je remercie le service technique pour leur collaboration et je pense qu'ils sont très heureux de la réussite de cette année. Et bravo à eux. On essaie d'avoir des nouveautés chaque année. Et on a quelques idées et la population nous en donne aussi. Et pour les années suivantes, ou surtout route de Nantes, qui est un peu pauvre en illumination, donc on va essayer l'année prochaine de refaire un petit peu la route de Nantes. On a eu quelques textos, quelques commentaires qui sont plutôt intéressants et qui nous font plaisir. Cette année, on a installé des lanternes au centre de bourg, au cœur de bourg, sur la place de l'église, qui nous paraissait un peu vide. Donc on est très content de cette nouvelle illumination. Monsieur le maire, les élus et les agents vous souhaitent de joyeuses fêtes.